Ministère du Développement Rural, représentant Monsieur le ministre du Développement Rural, président du comité de pilotage de l'ACAN. Mesdames et Messieurs les membres, Messieurs les observateurs, chers collaborateurs de l'unité de coordination du PACAM, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, Monsieur le secrétaire général, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 10e session ordinaire du comité de pilotage du PACAM. Je voudrais m'acquitter d'un devoir agréable qui est celui de vous exprimer ma profonde reconnaissance, Monsieur le secrétaire général, pour le rôle majeur que vous continuez à jouer dans la mise en œuvre du PACAM et pour votre précieuse contribution à sa réussite. Après 5 ans d'exécution, je crois que nous pouvons modestement apprécier les résultats issus du projet. En effet, les infrastructures socio-économiques qui ont été réalisées dans la zone d'intervention du projet impacteront positivement pendant longtemps le cadre de vie des communautés. Monsieur le secrétaire général, afin de permettre au projet de clôturer harmonieusement et mettre en œuvre les mesures d'accompagnement avec les acteurs, le département a sollicité et obtenu de notre partenaire technique et financier, le groupe Banque mondiale, la prorogation du projet jusqu'en juin 2023. Prolongation que nous allons mettre à profit pour achever toutes les activités permettant d'atteindre pleinement les objectifs de développement du PACAM. Il ne fait aucun doute que les résultats sont le fruit d'une bonne collaboration et d'un engagement pris par chacun de nous d'œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions des populations à la base. Aussi, pour cette phase ultime, nous allons nous atteler afin que les acteurs s'approprient les réalisations du projet. Nous continuons de veiller à ce que les aspects de durabilité et de changement climatique soient intégrés dans notre approche. En effet, nous vous présenterons tout à l'heure les activités restantes qui consolideront véritablement les acquis du PACAM et qui auront un fort impact social sur les communautés. Monsieur le secrétaire général, je conclurai ce mois introductif en réitérant mes remerciements à tous les acteurs qui ont facilité la mise en œuvre du projet. Quant à l'unité de coordination du PACAM, notre engagement demeure inchangé pour l'atteinte des objectifs du projet. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.